Ça va, je t'ai rendu muet. Ah ouais, t'as raison. Mais non, quand même pas. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est nous, c'est le retour de Celsia et Zassa. Oh yeah, et nous revoici de nouveau sur Borderlands The Pre-Sequel. Donc on reprend là où on s'était arrêté, donc on allait en route pour Elpist. Voilà. J'ai réussi à convaincre Zassa d'entrer dans le bidule. Non, ça se referme, je veux pas, je suis claustro. Dégage, c'est moi qui veux la fenêtre. Non, laissez-moi sortir. Génial. Tu veux dire que Jack, le beau Jack, le même type qui a tué mon copain, est resté marié comme je veux pas. C'est ça. Je ne saurais pas vous dire s'il a fait ça par héroïsme ou par pure stratégie. Mais si Jack n'était pas resté en arrière pour éjecter le vaisseau, je serais morte sur Helios. Non, 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 ça se ferme. Non. Tu vas mourir. Très bien, on est prêt à tirer. Dès que tu le sens, je t'envoie à Concordia. C'est la plus grande ville d'Elpis. Oui. Je me mets dans un coin et je fais le mode autiste. Je veux pas. N'importe quoi. Je peux abréger tes souffrances. Allez, faut qu'on se dépêche. Non. Je vais être loin de toi. Même si je suis armé d'un pistolet, non. Je me refuse de l'utiliser pour me protéger. Surtout que j'ai un sniper, quoi, donc même si tu restes loin, je pourrais te viser. Les voilà ! Ouvre le feu ! Ouvre le feu ! Avec les mitrailleuses qui ont juste un son trop badass. Poum ! Voilà, nous on était là-dedans. Non ! Laser ! C'était nous les gentils. C'est fait éjecter. Oh yeah. Super capsule. Waouh, je savais pas qu'on était poursuivi par des boules de feu. La boule magique. La boule de la... Ah non, c'est pas ça. Ça a rien à voir. Eh oh. Non, non. Eh oh. Salut, je t'ai pris pour de la récup. Tu vas bientôt mourir. Yay. Sympa. Ça va ? Enfin non, je sais. Ça va pas bien du tout. Dès que tu vas ouvrir cette porte, tout l'oxygène va s'envoler et tu vas suffoquer. Ça va faire super mal et puis tes yeux vont faire plop comme des raisins quand la pression différentielle sera trop forte. Voilà mon plan. Quand tu le sens, t'ouvres la porte et tu me suis jusqu'à ma bulle d'oxygène. Ah, elle est toujours là ! Réponds-moi, garde ton oxygène. Sortir, sortir, sortir ! Les bronzés ! Un peu, ouais. Jenny Springs ! Par ici ! La suffocation ! Si j'avais pris Claptrap, si j'avais pris Claptrap, ce problème ne se poserait même pas. Ouais, mais maintenant tu vas voir ce que c'est de jouer avec un personnage qui a de l'oxygène. Non, de l'oxygène, non. Tous mes pires cauchemars, mais pas ça. Je veux pas de l'oxygène. Comment tu peux tenir le coup avec ce genre de choses? Tu parles de moi là peut-être? Ouais, et ton oxygène. Bon, si elle pouvait se manier le cul, ça serait bien aussi, je crois. Je perds de la vie. Ouais, t'es pas la seule, crois-moi. Voilà. Tout va bien? Un plaisir de te rencontrer. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Et toi? Vendeuse de bidules. Mais bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais là? On doit retourner sur la station Helios. Mais pour ça, on doit d'abord neutraliser un brouilleur quelque part sur cette lune. Un brouilleur, tu dis? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Mérif, tu trouveras quelqu'un là-bas pour t'aider. Par contre, il va te falloir un réservoir d'oxygène pour y aller. On appelle ça des kits. J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile. En toi, c'est coordonné et nettoie. Mais on respire, l'endroit. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Oui, c'est ça quoi. La folie. Oh yeah. C'est tellement bon la folie.
Ah, ma souris a décidé que non, je ne jouerai plus. Ah. Adieu, les filles. Tu me rends. Je voulais l'acheter. Ah, non. Ah, fond insuffisant. Ah. L'avantage de commencer avec Lady Hammerlock, c'est qu'elle est riche. Ouais. Évitons tout malentendu. Laisse-moi honter. Laissez-moi rêver. Ah non, pas. Oui, merci. Je vais devant, hein. Ciao. Ouais, non, je continue de vendre. Vas-y, fais ta vie. Bon, au moins, j'ai besoin d'oxygène, au mieux, je me porte. Donc voilà. Ya, gravité réduite. Oh, oh, oh. Jouer à Borderlands 2 après ça, c'est une horreur. C'est clair, surtout au 1. Oh oui, putain. Même si le 1, enfin, sans le 1, ben, on n'en serait pas là, hein. C'est lui qui a fait toute la réputation. C'était l'un des premiers FPS RPG. Dragon. Autrefois, c'était un seul morceau ici. Et il n'y avait pas toute cette lave. Et puis ensuite, bah, la grande la lave, qu'est-ce qu'elle raconte. Vas-y, vas-y. Frappe-moi, j'ai mon bouclier. C'est tout ce que t'as. Ah, oh, ces bébêtes se multiplient. Ah oui. C'est ça qui fait que c'est rigolo, les dragons. Y'a pas un peu d'oxygène dans le coin? Ah bah si. What? D'où tu sors, toi? Il est passé où le dragon? Ah, il est mouru. Voilà, ça c'est fait. Niveau 4! Oh yeah! Voilà! J'ai oublié, c'est verrouillé. Oups! Plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches. C'est ah, dragon! Oh yeah, niveau 4! Puissance du niveau! Oh yeah! Puissance du corps à corps? Oh yeah! Alors, pour eux, paluche, ça veut dire prends mon épée dans le cul. Tu m'en laisses un peu, oui? Non. J'arrive pas à taper. La main qui te dit une non. Épée. Tu pourrais aussi me tuer tous ces méchants? Pas très envie de me. Et voilà! Un kit d'oxygène. Idéal pour la respiration, les doubles sauts et le pilonnage d'ennemis. Ah, le bien. Pilonnage. Vu que sans moi tu serais plus là, tu vas me remercier en tant qu'un. Oh, ce bug! C'est dégueulasse! Tu sais pas y faire avec les sauts? Attends, j'ai sauté et il y a eu un morceau de décor qui a pop et qui m'a dit non. Et du coup, ça a ralenti mon saut et du coup, je suis mort dans la lave. Ah bah ça, écoute, quand on sait pas y faire. Mais c'est pas que je sais pas y faire, putain! C'est ce morceau de décor, il est venu là où il fallait pas. C'est pénible. Moi je te rassure, c'était deux fusils d'assaut. C'est nul les fusils d'assaut. En fait, je sais pas pourquoi je retourne là-bas, de toute façon, on va falloir retourner là. Tout à fait. Donc je vais t'attendre. Je vais chercher les ennemis à abattre. Tu vas mettre trois plombes. Bah oui, surtout que je dois valider la quête. Poamor est à la tête d'une bande de pillards qui traînent autour de l'ancien site de forage de dalles. Le colonel mode de pilonnage. Les achetait en prison, mais ils ont filé quand les opérations. Ah, le pilonnage. C'est un pédon. Enfin, vrai. Il a la clé de numérialisation de mes stations. Pilonage. Tu le tues, je te fais entrer dans Concordia et je saute de joie. Tout le monde y gagne. Ah. Mon jeu a encore dit non. Des moments où ma souris elle fait. J'en ai marre de jouer avec toi en fait. De me faire écraser mes pauvres petites parties. Faut opter pour un modèle plus robuste. J'ai pas de sous. Faut juste avoir plus de sous. Bah donne-en moi et j'en aurai plus.
Mais je me débrouillais très bien tout seul. Tu t'incrustes. Bah ouais. Pas de soucis, je suis sniper, tu vois. J'ai un point de compétence à mettre. Je t'ai mis de l'air. Alors, dans quelle branche J'étais toi, j'éviterais de faire ça. Ah non, ça. T'es en oxygène, c'est cool. Donc voilà la gueule qu'on a avec le masque d'oxygène. Ouais, on a toujours l'air un peu con. De dos, c'est pas terrible, mais de face, ça va. Alors, je vais prendre ça. Voilà, voilà. Bon, moi, tu vois, je suis sympathique, je t'attends à une zone d'oxygène proche. Ah, le vide intersidéral. Putain, mais je me rends compte qu'en fait, il y a la plein d'étoiles qui brillent dans le ciel, bordel. Waouh. C'est génial. L'homme découvre le ciel. C'est beau. C'est rare, tu vois, quand je regarde aussi longtemps en l'air sans rien faire. C'est triste. J'ai un clamage, je t'aime. Cragon brutal. La mort est là. Tu seras mort déjà. C'est juste un connard. Juste un connard. Allez, attaque-moi. Il a aussi volé ma clé de numérialisation, Munzumi. Il m'a continue, laissé continue, là. Continue, continue, attaque-moi, allez. Mais surtout, c'est un connard. Voilà. T'es bon, mon bouclier, hein. Allez, voilà. Alors, maintenant, on s'occupe du rocher. Avec une putain de moustache. Moustache. Ouais. Cuit en moustache. Attention, cette phrase est sous copyright. Ah zut, non, je l'ai rien dit alors. Oubliez-moi. Il y a mété. Alors, de munitions. Non, j'ai une autre arme. Il n'y a pas de la santé quelque part près de chez toi? Nope. Non, parce que là j'ai pris cher en fait. Ah bon? Ouais. Garçon, des balles! Je l'avais jamais entendu celle-là encore. Fuck! Ces trucs sont horribles! Bah non, man. Ils sont mignons comme tout! Ils sont tellement kawaii! Ah là, il y a de la santé. Non, ça va. Je suis en train de me réjouir. Quelqu'un a besoin de santé? Non, piste vitale. Oh, t'es plus ou moins bien. T'es moins bien. Moi, je pense avant. Ça se vend. Fais sous. T'as raison. Alors, je vais troquer ça contre ceci qui est presque tout point meilleur. Voilà, le corps à corps a vaincu le sniper. Je crois pas, hein. J'en ai tué tellement le temps que tu t'en occupes d'un. J'ai tué tous les petits autour. Ouais, mais les petits ça compte pas, gars. En deux coups de corps à corps, je l'ai tué. Voilà, bah ouais, bah tant pis, je vais te laisser mourir et on verra si le sniper. T'as qu'à se faire un petit duel, hein, de ces quatre. Non, merci. Ah oui. Vous apprendrez très vite que notre ami Celsia a horreur du PVP. Mais j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais c'est la violence entre amis, c'est non, c'est tellement c'est horrible. Génial. Je supporte pas ça. Oh, c'est fou. Non. Si. Non. Si. Non. Ah si. De l'arche. Ici le colonel Zarpedon. Désolé. Tu dois quitter Elpis. Les choses ne vont aller qu'en s'empirant. Je ne veux pas te tuer si je n'y suis pas obligé. Dis ça aux gens que tu as assassinés sur Helios. Très bien. Comme tu veux. Poids mort, ici le colonel Zarpedon. Je veux que tu tues les chasseurs de l'arche qui s'approchent de ton vaisseau. Va te faire voir, Zarp. J'en refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison. Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles. Je vais en faire de la purée. Voilà. Comment manipuler un homme? Piège posé. C'est horrible. Ah, écoute.
compétence d'action qui fait très mal. Contrairement à certaines personnes ici. Attends, c'est pas toi qui l'a gelé là. Hein. Monsieur, je suis bon à tout et qui me fait passer pour un moins que rien là. Je suis pas un homme, je suis une femme dans ce jeu. Ouais, bah, dans les deux cas, t'es nul. Level up! À court de munitions, ça c'est pas bon signe. Maintenant, soyez aimables et postez-vous devant moi, Athéna. Ok, ok. Voilà, meurs au corps à corps. Un grand garçon. Grand ou gentil garçon? Je ne sais pas. Je sais pas, c'est un crabe. Oui, oui. On s'en branle de son sexe. La survie d'une guerrière. Comment t'es vulgaire? D'accord, parle de cul, alors faut bien parler avec un langage adapté. Dégueulasse. Si t'as pas eu de cours d'éducation sexuelle, c'est pas de ma faute. Mais maman, elle avait dit oui. Cette phrase aussi est sous copyright. Techniquement, la première non, celle-là, oui. Ça veut dire qu'on fait des knackis. Non, je mets mon point de compétence. Méchante. Serait-ce un pistolet Hyperion? Hérésie. Hérésie de rien du tout. Hérésie de c'est la fin de la vidéo. Malheureusement. Et donc, on vous dit à bientôt. Voilà, voilà. Très bientôt pour... la suite. C'est ça, en espérant toujours que ça vous ait plu, que voilà, surtout n'hésitez pas de partager, de commenter, de liker, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt.